Nouveau rebondissement remarqué dans l'affaire classe égale à HRL Richard Berry. Sur Instagram ce 31 août 2021. Sa nièce Marie-Lou Berry a relayé plusieurs stories au travers lesquelles elle rappelle indirectement son soutien à sa cousine Colleen Berry Rochetement. Un soutien qu'elle exprime depuis que cette dernière a porté plainte contre son père et son ex-belle-mère Jeanne Manson. Pour viol, agression sexuelle et corruption de mineurs, en février dernier auprès du parquet de Paris. Richard Berry et son ex-épouse démentent fermement ces accusations, pour des faits qui remonteraient au milieu des années 1980. Lorsque Colleen Berry Rochetement avait entre 8 et 10 ans. Après avoir lui-même dévoilé cette affaire sur les réseaux sociaux, Richard Berry a porté plainte pour harcèlement moral après que des collages soutenant sa fille ont été affichés sur un mur du 20e arrondissement de Paris par des activistes de l'organisation L'Amazon Panam. Sur Instagram ce mardi 31 août, soit plusieurs mois plus tard, une de ces activistes a expliqué avoir été auditionnée par la direction régionale de police judiciaire de Paris. Un témoignage relayé ensuite par Marie-Lou Berry sur son propre compte, voire Diaporama. J'en sors révoltée, avec la sensation de vivre dans un pays qui défend les agresseurs et jamais les victimes. L'activiste et ex-femme Marguerite Stern a-t-elle expliqué, en précisant qu'elles étaient plusieurs à avoir été convoquées par la DRPJ. Ce n'est pas la première fois que je suis convoquée pour répondre de faits que je n'ai pas commis. Pour lesquels je sais qu'il n'y a pas de preuves. Simplement fallait contenter monsieur et dire qu'on avait mené une enquête. Guillaume. En story toujours, elle est alors revenue sur cette fameuse session collage. Peu après, les activistes avaient été interpellés par une brigade de policiers à vélo pour un contrôle d'identité. Ils ne savaient même pas pourquoi ils nous contrôlaient, ils disaient répondre à des ordres. Marguerite Stern se défend alors, dans ce quartier ce jour-là, on a croisé par mal de collage Colleen Héroïne. Personnellement, j'ai déjà collé quelques Colleen Héroïne aussi, mais jamais le nom de Richard Berry. Néanmoins, je soutiens infiniment celles qui l'ont fait. Je rappelle que Colleen Berry a eu l'immense courage de porter plainte pour viol contre son père Richard Berry. Je la crois. Guillaumet. En février dernier, auprès de Libération, Marie-Lou Berry avait ouvertement évoqué le soutien sans faille qu'elle apporte à sa cousine Colleen, « À quoi ça servirait que je gueule place de la République avec nous toutes si je ne suis pas capable de faire le ménage dans ma propre famille » expliquait-elle, en référence à la marche organisée contre les violences faites aux femmes. « Je ne me réjouis pas du malheur de mon oncle », avait-elle ajouté. Richard Berry et Jeanne Manson restent présumés innocents des faits qui leur sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.